de ma chambre. Dans ma tête, j'avais l'air moins con. Ça va, fait du bruit pour vous, bonsoir quand même, ça va? Ouais. Ah, c'est vrai, je m'excuse, je danse comme un mauvais chanteur de R&B. Exactement. Ah, bonsoir, monsieur Dan. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui viennent ici pour la première fois? Pour la première fois, il n'y a pas de galère, vous savez ce que c'est qu'un plateau d'humoriste, il n'y a pas de soucis. Oui, merci. Non, je vous demande ça parce que moi, la semaine dernière, il y en a un qui m'a répondu « Ouais, c'est des mecs qui font des trucs devant des mecs. » Ça, c'est un club libertingué. Mais il n'y a pas de galère, hein. Tu fais comme tu veux, chacun fait comme il veut le samedi soir. Ça va, ceux de devant, vous êtes bien installé? C'est bien, vous êtes courageux d'être devant. Parce que moi, à de là, j'appelle ça le bord de la plage. Donc, c'est vrai, c'est ça, c'est succession de vagues, de postillons. Moi, je viens du sud, donc ça va, je suis légitime, hein, je peux le faire, pas de soucis. Quand tu stresses, t'es là, putain, ça va être à quoi de plage, là? Moi, j'y suis, je me fais le maillot. Rassure-le, son copain, il devrait la rassurer, c'est non, mais t'inquiète, il vient du sud, les embruns, ils sont pas le cœur. T'inquiète, il va t'envoyer quelques fois. Ferme les yeux, regarde. On sent l'ours. Ouais, ça sent l'ours. Je suis d'accord. Bon, messieurs, en tout cas, merci d'être là pour la troisième édition du Paris-Paris. Faites du bruit pour vous, pour les humoristes qui vont arriver. On va vous demander de bien venir en écoute, donner tout ce que vous avez. Bonsoir. Messieurs, dames, Raph, Di Marcio. Ouais. Si, Di Marcio. Une pizza. Ah, Di Marcio. Un nom de plombier chez Nintendo, un peu, quoi. C'est ça. Avec le physique d'un footballeur anglais sous vide, quoi. C'était... Monsieur dame, le David Pékin de la tuyauterie, on peut l'applaudir. Ouais. Ouais, c'est vrai, on va la pas capter, t'es en train de faire le coup, oui, parce que, en fait, c'est ça, vous savez, maintenant, dès qu'on a deux personnes sur scène, il y en a un qui arrive, après l'autre, il arrive en retard, c'est bon, ça, c'est déjà vu, ça. Il y a des très bons humoristes qui le font en ce moment, tu devrais leur laisser. Vraiment. Je peux en placer une, sinon, ou pas? Ouais, ok. T'es chez toi? Tu réfléchis à en parler un peu, des fois? Ça m'arrive, ça m'arrive. Je suis là, parce que ça fait 10 minutes, je galère à l'entrée, là, il y a une hystérique, elle demande, là. À l'entrée? Oui. Elle me demande? Hystérique, ouais, hello, salut, salut. Je suis son ex, c'est vrai qu'il va se faire chez moi, machin. Mon ex à l'entrée, elle me casse les couilles, mec. Mon ex à l'entrée? Oui. Ça m'étonne, rien. C'est étonné. Elle a l'air de quoi? Elle a l'air d'avoir connu Louis XIV, mec. Un peu comme ta mère, quoi. Ma mère, c'est bientôt à côté. Ah, ta mère, c'est bientôt à côté. Bah écoute, c'est qui? C'est Evelyne? Marion? C'est Daniel Schwartz? Non, je connais Daniel Schwartz. Marie Chantal. Non, je connais pas. On va pas passer un quart d'heure à parler de mes ex, hein, ça va, très bien. On va ici pour présenter Paris-Paris. Donc, messieurs, dames... Vous êtes chauds ou pas, là? Ouais. On va donc laisser les humoristes monter les uns après les autres pour faire passer une bonne soirée. Alors, accueillez-les comme il se doit. C'est la dernière du Paris-Paris avant l'été. Exactement, c'est un samedi, normalement c'est les mardis, comme ça on a le temps, après on peut faire la fête, on a du temps, il n'y a pas de métro qui font chier, tout ça. Donc, on va faire du bruit pour la première artiste de soir. Exactement. C'est... Amaya.